À chaque fois que je gagne, je pense à mon grand-père. Et la capitale de l'Espagne, Rémi ? Madrid ? Rémi ? Barcelone. Ce n'est pas un hasard si vous méritez les meilleures cotes. Winamax. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le Flash. On commence comme toujours par la météo. Beaucoup, beaucoup de pluie encore sur la plaine des sports du Hayan. Les températures maximales avoisineront les 13 degrés. Entraînement ce jeudi matin pour les hommes de Willy Sagnol. Le dernier entraînement public avant le déplacement à Montpellier en championnat. Ce sera ce samedi soir, coup d'envoi de la rencontre à 20h. Rappelons que Sertic, Palois, Pablo et Molin sont toujours blessés. Frédéric Gilbert, lui, est suspendu pour cette rencontre. Et puis sachez que les supporters sont de nouveau autorisés à faire les déplacements dans les différents clubs de France. L'interdiction est donc levée. Et puis sachez qu'on connaît la programmation du derby de l'Atlantique. Bordeaux affrontera Nantes à Nantes. Ce sera le samedi 23 janvier prochain à 20h. Et puis Angers-Bordeaux en Coupe de France cette fois-ci se jouera le mardi 19 janvier prochain à 18h30. Enfin, petit tarif pour le quart de finale de la Coupe de la Ligue. Ce sera mardi soir, on le rappelle, à domicile pour la réception donc de Lorient, entre 10 et 18 euros la place. C'est 5 euros pour les moins de 16 ans. N'hésitez pas donc à vous rapprocher de vos points de vente habituels. Voilà pour l'essentiel de l'actu. On se retrouve très vite sur Girondin TV.